aujourd'hui je reviens pour une vidéo revue tout simplement. J'ai décidé de tester, donc ça peut être une revue aussi, une catégorie, j'ai testé pour vous la marque et surtout la gamme de ce nouveau shampoing de chez Garnier, de la gamme Ultra Doux, donc c'est Olive Mythic. Alors j'ai pris 3 produits. Et je me suis dit que j'allais tester ça pour vous parce que c'est ce qu'on peut retrouver déjà super facilement comme produit en supermarché. C'est une gamme de prix qui est accessible à tous. J'aime beaucoup cette gamme Ultra Doux, je vous ai déjà présenté celle au trésor de miel, celui à la mangue et fleurs de tiare, celui au monoï que j'adore. Et je me suis dit que j'allais tester celui-ci, donc on va tout de suite commencer. Le premier produit c'est celui-ci, donc c'est un shampoing, donc c'est le shampoing nutrition extrême, donc il se présente comme ceci, le packaging est en fait le même, c'est juste la couleur qui change, donc là c'est une couleur verte. Personnellement c'est pas le style de packaging auquel je suis le plus attirée, mais voilà, c'est le côté vraiment olive, un peu truc à l'ancienne, la recette un peu de mamie, etc. qui m'a, où je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa de tester. Donc c'est sans parabènes, c'est pour les cheveux desséchés et sensibilisés, donc ça nourrit intensément et ça restaure jusqu'aux pointes. Donc je me suis dit allez, je teste, je prends mes 3 produits, je vais dans ma douche et je vais tester tout ça. Je vous ai mis une petite photo sur Twitter et tout. Donc voilà, donc là je l'ai testé plusieurs fois, hein. Je l'ai déjà pas mal descendu, je suis arrivée à la moitié. Je voulais quand même le tester plusieurs fois avant de vous faire quand même une revue et surtout vous donner mon avis, parce que c'est pas en une fois non plus qu'on peut voir l'état du cheveu sur plusieurs semaines. Donc je me suis dit que ça serait sympa donc, de revenir vers vous aujourd'hui pour vous donner mon avis. Je me suis armée de mon iPad. Et je vais tout de suite vous dire un peu ce que la marque en dit et après je vous donnerai moi vraiment mon avis, ce que j'en pense après mon utilisation. Donc Garnier Ultra Doux a sélectionné une huile mythique aux huiles aux mille vertus, l'huile d'olive vierge. Donc sa texture légère et fondante se transforme en une mousse généreuse pour envelopper le cheveu sans l'alourdir. Laissez-vous envoûter par son parfum subtil, frais et féminin pour un vrai moment de soin intense. Alors déjà, première chose, au niveau donc de la senteur du shampoing. Alors je trouve que ça sent le shampoing, mais j'ai pas du tout cette impression de quelque chose de très, très présent. C'est vraiment un parfum très subtil, frais et féminin. Je suis mitigée parce que je trouve que c'est limite sans odeur, donc mais après c'est pas du tout un point négatif, au contraire c'est voilà, c'est juste très 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 subtil et je trouve que ça change, ça fait aussi du bien d'avoir quelque chose de juste subtil dans les cheveux et pas d'imposant, etc. On continue. Le résultat: intensément nourri sans être alourdi et réparé de la racine aux pointes, vos cheveux sont restaurés. Jour après jour, ils deviennent brillants, infiniment plus doux et plus souples, vraiment plus faciles à coiffer. Alors, au niveau de la nutrition, parce que c'est quand même le point fort donc, de cette gamme, je trouve que ça nourrit très 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 bien les cheveux. Mes cheveux sont vraiment très doux. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, ça mousse tout de suite, très rapidement. Ça c'est vraiment un point vraiment positif, parce que sinon je trouve que, enfin moi, avoir un shampoing qui ne mousse pas où il faut en mettre 15 tonnes, c'est vraiment l'enfer. Là je trouve que c'est vraiment parfait, il en faut un tout petit peu, vous avez, et pourtant j'ai quand même les cheveux assez longs, ça prend vraiment tout le cheveu, ça, on a vraiment le temps de masser son cuir chevelu, on sent pas du tout le shampoing qui agresse le cuir chevelu, au contraire. Moi je trouve qu'il est très 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 bien comme shampoing, je trouve que ça alourdit pas le cheveu, ça c'est vrai, là j'ai fait mes boucles après et les boucles sont là, sont présentes, elles sont pas alourdies par le shampoing ou quoi que ce soit, ils sont très très bien, on sent que le cheveu est tout de suite doux, mais sans être gras ou quoi que ce soit, on sent pas qu'il y a quelque chose dans les cheveux, donc ça c'est plutôt agréable aussi. Ensuite, une fois que j'ai rincé tout simplement le shampoing, j'ai appliqué l'après-shampoing. Donc pareil, c'est quelque chose qui est là pour démêler, pour nourrir, qui restaure jusqu'aux pointes.
toujours pour les cheveux sensibilisés et desséchés. Donc je trouve ça pareil, vous savez que je suis pas une adepte de l'après shampoing, je préfère le masque. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pris l'après shampoing et pas le masque, mais je me suis dit que ça serait sympa pour changer un petit peu. Je pense que j'irai me chercher le masque très prochainement pour le tester, parce que je trouve que quand je vois le résultat de mes cheveux, je pense que le masque doit être vraiment très 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 bien aussi. Donc là c'est pareil, j'en applique sur toutes mes longueurs et mes pointes, ça démêle très très bien le cheveu. Il y a eu des moments où j'ai eu quelques petits nœuds, etc. Voilà, j'ai passé mes mains comme ça dans mes cheveux avec le démêlant. Tout est vraiment parpi, il se rince très très bien. Il n'y a pas de résidus bizarres ou quoi que ce soit. Ça n'alourdit pas du tout le cheveu. Je trouve qu'une fois rincé, qu'il n'y a plus de... Enfin voilà, les cheveux vraiment sont souples, sont brillants, ils sont doux. Ils sont vraiment, je trouve, beaucoup plus hydratés, et ça je le ressens vraiment. Et ensuite ça, le dernier produit, c'est la crème de soin nutrition intense sans rinçage. Donc c'est pareil, il y a au niveau de l'odeur, si jamais vous me demandez, c'est pareil, c'est toujours très 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 subtil. Par contre ça sent pas l'olive, hein, n'ayez pas peur en vous disant oulala, ça va sentir la salade de tomates, etc. Pas du tout, hein, c'est complètement différent. C'est pareil, donc c'est toujours pour vraiment être pour venir coiffer en fait, aider en fait le coiffage au niveau de vos cheveux, et toujours nourrir bah, les pointes, puisque c'est là où c'est toujours le plus sensible, le plus sensibilisé. Je trouve que c'est un très très bon produit. J'utilise souvent moi des huiles au niveau de la finition, et là je trouve que cette crème de soin est vraiment très très bien. En plus franchement le contenant de 200 ml, vous avez vraiment de quoi faire, parce qu'il faut pas utiliser 15 tonnes de produit, une noisette suffit pour toutes vos longueurs et vos pointes. Donc ça c'est quand même très très bien, c'est super économique, donc du coup le rapport qualité prix est juste au top. C'est toujours formulé donc sans parabènes, de toute façon toute la gamme est sans parabènes, donc ça c'est quand même plutôt bien. Vous allez me dire oui mais il y a du silicone. Oui il y a du silicone, je suis d'accord avec vous, mais personnellement je suis pas trop regardante sur ce côté là. Donc bien entendu l'astuce bah, c'est d'utiliser toute la gamme ensemble. Maintenant si vous avez envie d'utiliser qu'un seul produit, il marchera tout autant. Mais bien entendu quand vous utilisez toute la gamme ensemble, vos cheveux sont vraiment beaucoup plus nourris. Je trouve que c'est une très belle gamme. Du coup il n'y a pas d'odeur qui reste dans vos cheveux. Vos cheveux sont juste le propre. Donc voilà, je trouve que c'est des très très bons produits pour un tout petit prix qui vraiment peut convenir à beaucoup beaucoup de personnes. Celles qui ont les cheveux vraiment, vous savez, abîmés, celles qui se coiffent beaucoup avec les fers à lisser, les fers à boucler, le sèche-cheveux, etc. Vos cheveux, vos pointes, etc. sont plus cassants, sont plus abîmés, et vous avez besoin de nutrition, de galber en fait votre cheveu. Et je pense que cette gamme peut vraiment convenir à tous ces types de cheveux, voilà, qui sont sensibilisés, cassés, desséchés, qui ont vraiment besoin de nutrition. Je peux vraiment vous recommander cette gamme, moi j'en suis vraiment ravie. Je pense que j'irai certainement m'acheter le masque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aimerais bien connaître vous, vos avis sur ces produits ou sur d'autres produits que vous avez testé de la marque Ultra Doux, enfin de la gamme Ultra Doux. Moi j'adore vraiment cette marque, je trouve qu'ils ont des super produits, des super senteurs, donc pour pas très cher, et ça c'est juste top. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.